Asaninga, Okana Tanor, Bignona, le groupe de feu Ousmane Nianta, le groupe de contact, le groupe du général César Atout Badiane, sous l'appui de la COSPAC, de la Fondation Frédéric Ebert et de AJWS, ont élaboré ce plan d'action harmonisé qui fait l'objet de validation pendant ces deux jours pour préparer les négociations en vue dont l'objectif est de fédérer toutes les forces pour préparer les négociations en vue de la signature des accords entre le RFDC et l'État du Sénégal. Cela se traduit, grand thème, un plan d'action élaboré, partagé et validé par l'ensemble des ailes politiques présentes à l'atelier. 2. L'engagement sans réserve de faire taire les armes au profit du dialogue. 3. La volonté de poursuivre le dialogue avec nos frères et tout autre acteur épris de paix. 4. Notre disponibilité et l'ouverture à entamer des négociations avec l'État du Sénégal à travers le comité ad hoc. Aujourd'hui, notre slogan est « Travailler ensemble ». Pour préparer les négociations, c'est le gaz d'une paix durable en Casamance. Le cadre se réjouit de la présence des partenaires comme le CONGAD, comme le GFSC, comme les socioculture, Carbon Ketor, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, et toute autre structure comme les femmes du bois sacré, dont le seul but est de sauver une Casamance dont une Casamance tant meurtrie, alors que Zadis luxuriante et accueillante. Méridional.